que vous allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisque je lance encore un nouveau concept sur ma chaîne. Souvenez-vous, en 2016, au tout début août, je vous avais fait une vidéo avec ma pile à lire qui était d'ailleurs assez grandement conséquente puisque j'ai pas mal de mangas qui ne sont toujours pas sortis de ma pile et il serait temps que je le fasse, donc j'ai décidé, comme vous pouvez voir dans le titre, de sortir des vidéos mes premières impressions. Donc je verrai pour en faire une, soit une tous les mois ou une tous les deux mois, parce qu'il faut savoir que tous les mois j'ai quand même pas mal de lectures et pas mal d'épisodes des lectures manga qui sortent quand même au fil des mois. Donc voilà, je vais les voir. Donc là, j'ai lu 8 tomes de 4 séries différentes. Donc voilà, il y a 2 shoujo et 2 seinen. Donc c'est 2 premiers tomes à chaque fois parce que j'ai pas pu m'arrêter au premier tome. Je voulais voir ce qu'il y avait derrière. Et donc ça a été 4 bonnes séries, voilà, que j'ai bien aimées. Donc voilà, et là j'ai choisi des séries qui allaient se finir au mois de janvier et 2 qui sont déjà finies, qu'il fallait que je lise, que j'avais très envie de lire. Donc on va commencer tout de suite avec les shoujo comme d'habitude. Et donc pour commencer, je me suis lu les 2 premiers tomes de I Love You Baby de Moko Komori, donc c'est aux éditions Panini. Donc cette série est terminée en 4 tomes, nous avons le 4e tome le 4 janvier, donc qui est déjà sorti, que j'ai déjà acheté également. Et donc c'est de genre romance tranche de vie. Alors j'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes, où c'est que l'on va suivre une jeune fille, voilà, très jeune, on est encore dans la période collège, qui s'appelle Mireille. Et cette jeune fille, ses journées se résument à école, ses amis et rentrer chez elle. Voilà, sa mère lui a interdit de sortir le soir ou entre les cours ou de se balader avec ses copines, tout ça. Non, elle n'a pas le droit, elle doit directement rentrer chez elle. Voilà, c'est une promesse qu'il y a entre sa mère et Mireille. Mais un jour, par une circonstance, elle va devoir sortir de chez elle pour rendre quelque chose à une de ses amies. Et donc elle va prendre le train toute seule, voilà, elle va être contente, elle va se dire tiens, c'est la première fois que je sors et tout. Pour l'instant j'ai aucun problème parce qu'il faut savoir que Mireille c'est une jeune fille qui est très très jolie, qui attire tous les garçons à ses pieds. Alors déjà que c'est une fille certes qui est très jolie mais elle est très très timide. Et donc voilà, elle déteste les garçons parce que voilà, ils viennent tout le temps l'accoster, tout ça. Donc voilà, elle en a un peu marre. Et donc voilà, malheureusement, dans le train, elle va se faire accoster par un pervers. Et heureusement pour elle, elle va se faire sauver par un de ses camarades de classe. Et bizarrement, c'est un garçon. Mais elle n'a pas peur de lui parce que ce jeune homme, il n'a pas encore mué. Il a encore sa voix de jeune garçon. Et il est de taille assez petite. Et j'ai trouvé ça tellement doux, tellement mignon, enfin voilà, c'était vraiment passionnant à suivre pour ces 2 tomes sur 4. Donc voilà, dans le tome 2, on a bien entendu Mireille et ce jeune garçon qui s'appelle Tomo, qui va s'agrandir. On va voir qu'il y a une très belle relation d'amitié entre les 2 personnages. Donc voilà, même Tomo qui fait du judo, voilà, c'est un judoka qui est très fort. Il va apprendre à Mireille quelques bases pour se défendre parce que voilà, dans le premier tome elle s'est fait attaquer par un pervers, elle est toujours accostée par des mecs. Donc du coup Tomo se dit que ce serait bien pour elle qu'elle devienne un petit peu plus forte pour pouvoir se défendre auprès de ces messieurs. Et en fait c'est raconté mais tellement mignon, c'est vraiment une lecture mignonne, un petit peu comme Prince et Héros ou encore Un baiser à la vanille. Voilà, c'est des dessins qui sont vraiment mignon, voilà, c'est les petites lectures kawaii comme je les appelle, donc voilà, c'est vraiment mignon, c'est passionnant à suivre. Moi j'ai hâte de savoir jusqu'où que cette lecture va aller, est-ce que nos 2 petits protagonistes vont sortir ensemble, est-ce qu'il va se passer une relation amoureuse entre les 2 personnages. Alors c'est une série qui est terminée en 4 tomes, au bout des 2 tomes on n'en est pas du tout là, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. Donc voilà, pour vous montrer un petit exemple de dessin, c'est comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très chou. Donc voilà, c'est marque-page qui est tombé. Tout le monde ne pourra pas aimer ce genre de shoujo qui fait vraiment pour jeune fille, on va dire. Moi j'ai bien aimé. Donc voilà, je trouvais ça même très rigolo par moments, surtout quand les personnages font cette tête-là. Donc voilà, c'est qu'on voit Mireille avec une drôle de tête, c'est vraiment chou. Donc du coup voilà, j'ai hâte de conclure la série, de voir comment ça va se passer. Et donc voilà, il y a quand même certains doutes et certaines remises en question
de la part de la jeune fille à propos de Tomo. Bien évidemment, elle commence à se poser des questions. Est-ce qu'elle est amoureuse de lui ou pas? Qu'est-ce qui se passe au fond de son cœur? Tout ça. Donc voilà, mais c'était vraiment sympa à suivre. Donc voilà pour les couvertures qui sont vraiment super jolies au passage. Hein. Donc voilà pour mon avis. Et bien entendu, je vous reparlerai des deux derniers tomes dans un prochain lecture manga. Ça, c'est sûr. Donc ensuite, je me suis fait les deux premiers tomes de Heartbeats de Risa Kanno, toujours aux éditions Panini. Et donc c'est une série qui est terminée en 5 tomes et le 5e tome paraîtra le 4 janvier, que j'ai également déjà acheté. Et donc c'est le genre romance tranche de vie. Donc dans cette histoire, on va suivre le personnage de Tsukasa, qui est une jeune fille qui a un ami d'enfance. Voilà, ils s'entendent bien depuis qu'il est arrivé au collège. D'ailleurs, ce jeune homme s'appelle Arima. Et en fait, ses amis vont lui dire que, en gros, Arima, il est toujours avec elle, tout ça et tout. Elles sont sûres et certaines que Arima est amoureuse de Tsukasa, est amoureux de Tsukasa, pardon. Et donc, Tsukasa va croire en ses amis et elle va aller faire sa déclaration d'amour, en gros, à Arima, puisqu'elle est amoureuse de lui. Malheureusement, elle va se prendre un râteau puisque Arima lui dit en gros qu'il ne l'a jamais vue comme ça et que pour lui c'est juste une bonne dose d'amitié. Donc en gros voilà, et la jeune fille, elle ne va pas laisser tomber. Elle va, voilà, elle va se dire bah c'est pas grave. En plus ils vont se retrouver tous les deux au lycée, donc elle se dit c'est pas grave. Elle lui demande même est-ce que je peux continuer à t'aimer, est-ce que ça te dérangera pas tout ça. Donc voilà. Tome 2 était très passionnant à suivre et également où c'est qu'ils sont, bien entendu, bah, dans leur lycée. On a une pabèche qui va arriver, bien entendu, au milieu, qui est bien sûr l'ex de d'Arima. Donc voilà, ça va mettre un petit peu son grain de sel et un petit peu de mauvaise situation pour notre personnage principal. Donc voilà, mais ça va, ça finit bien comme d'habitude. Donc voilà, c'était sympa également. Et les dessins, ils m'ont fait tilt. Je me suis dit, j'ai déjà vu ce genre de dessin quelque part. Alors, je vais vous montrer. J'ai déjà vu ce genre de dessin quelque part. Et effectivement, ce genre de dessin m'a fait penser à Blue Spring Ride. Donc voilà, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Blue Spring Ride. Voilà, surtout là. C'est très flagrant. Donc du coup voilà, une série que j'ai bien aimée, donc pareil, c'est une série qui est courte et au bout des deux tomes, nos deux protagonistes ne sont pas ensemble. C'est très dur pour Tsukasa, donc voilà, moi au bout du tome 2 j'ai des doutes pour Arima, je pense qu'il est déjà amoureux de la jeune fille, mais comme il l'a déjà éconduite dans le tome 1, on se doute qu'il va pas lui déclarer sa flamme, sachant que qu'il l'a un petit peu largué dans le premier tome. Et donc voilà, la fille, elle ne risque pas de tout comprendre si au tome 1, il lui dit non et qu'au tome 2, il lui fait sa déclaration d'amour. Donc voilà, ça risque d'aller beaucoup trop vite. Et donc du coup, bah pareil que I Love You Baby, j'ai hâte de voir jusqu'où cette série va aller du moins. Et donc voilà, je suis assez curieuse pour ces deux shoujo. Donc un qui est mignon et l'autre voilà qui est plus sérieux en laissant des petites touches d'humour quand même. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, c'est des petits shoujo, donc ça c'est cool, qui sont déjà terminés en plus. Donc voilà, c'était sympa. Donc je vous remonte les couvertures qui sont assez sympas. Donc voilà, dans le dos, c'est comme ceci. Donc c'est sympa aussi, les quatrièmes de couverture sont sympas. Et donc voilà, une très très bonne lecture pour ma part. Ensuite, je me suis fait les deux premiers tomes de King's Game. Donc King's Game, c'est terminé en 5 tomes. Donc là, on est dans la partie seinen. Et c'est de genre trailer suspense. Donc voilà, je me suis fait les deux tomes. Voilà, j'ai été incapable de m'arrêter au premier tome tellement qu'il y a des suspens de ouf à chaque fin de tome, même dans le tome 2. Mais voilà, après, à la fin du tome 2, j'en avais un peu marre de me lire du King's Game. Alors je suis partie sur une autre série. Et en fait, dans cette série, on va suivre le personnage de Nobuaki, donc qui est le personnage que vous voyez sur la couverture du tome 1, qui va être réveillé en pleine nuit par un étrange SMS. Et en gros, c'est un SMS qui provient du roi. Et donc, en fait, il va recevoir un étrange SMS qui va dire que deux élèves doivent s'embrasser et qu'ils ont 24 heures pour le faire.
Et donc, le lendemain, Nobuaki arrive dans sa classe et il voit qu'il y a une très bonne ambiance dans la classe. Les élèves sont tous à fond, voilà, ils sont prêts à faire le challenge de ce fameux SMS, puisque bien sûr, toute la classe l'a reçu. Et donc, au début, les élèves se prennent au jeu et en fait, bien entendu, les ordres du roi vont monter crescendo. Donc voilà, ça part d'un baiser, après d'un léchage de chaussettes. Et après, il incite deux élèves quand même à coucher ensemble, ça devient un truc de fou, sachant que la fille doit tromper son mec pour coucher avec un autre mec, donc vous voyez le délire du manga. Donc voilà, c'est assez chaud, c'est assez tendu, et en fait le but du jeu c'est bien sûr d'obéir à tous ces SMS, à tous ces ordres du roi, sous peine de vous faire exécuter si en 24 heures l'ordre donné n'est pas effectué. Et donc on va très vite nous montrer la chose. Donc voilà, pas mal de gens vont mourir. Je crois qu'au tome 2, il y a déjà 5 personnes qui sont décédées. Donc voilà, même la police est là, n'y comprend strictement rien. Donc voilà, et je pense qu'il faudra attendre le tome 5 pour avoir l'identité de notre roi. Même si des fois, vous avez un personnage qui est légèrement bizarre et vous dites, tiens, c'est peut-être lui, le roi. Puis finalement, quelques pages après, il meurt. Donc vous vous dites, bah non, c'est pas lui. Donc voilà, c'est assez sympa pour l'instant, puisque ça nous met pas mal de doutes par rapport au roi. Voilà, parmi les élèves, on tente un petit peu de trouver qui c'est. Même autour d'autres personnages, on essaie de trouver un petit peu qui c'est. Finalement, c'est pas eux. Bon, bah tant pis. Donc voilà, on retente le truc avec d'autres élèves. Donc du coup, voilà, c'est assez sympa. C'est très violent, voilà, les élèves qui doivent y passer ne meurent pas de la même façon, donc voilà, c'est parfois assez violent. Donc là non plus, c'est pas marqué pour public averti, bon tout de même, hein, c'est quand même assez violent. C'est sympa, c'est un bon divertissement, donc voilà, un petit peu à la sauce de Killer Instinct, de Deadtube, de... merde, c'est quoi que je vous ai présenté? De Dilemma, voilà, c'est un très bon divertissement. Voilà, je dirais pas que c'est ni un flop, ni un coup de cœur. Voilà, c'est une bonne lecture. Voilà, c'est sympa dans l'ensemble. Les dessins sont assez jolis. Donc voilà, donc là, en gros, il faut qu'ils essayent de débusquer le roi avant qu'il tue toute la classe. Donc voilà, c'est un peu ça le but. Donc on a des élèves dans le tome 2 qui commencent à rechercher des informations. Donc du coup, voilà, ce qui n'est pas évident, surtout quand on connaît pas la personne. Donc voilà, donc bien entendu, maintenant que j'ai commencé la série, je vous présenterai les autres tomes dans différentes lectures manga, comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi. Donc du coup voilà, c'était sympa dans l'ensemble, mais sans en plus, voilà, je pense que c'est pas une série que je retiendrai avec les années. Donc voilà, c'est un bon survival game. En même temps, je suis pas difficile avec les survival games. Je les aime toutes, mais avec différents degrés. Donc voilà, soit c'est un bon divertissement, ou soit ça part dans le coup de cœur. Là, c'est un bon divertissement pour ce survival game. Donc voilà, beaucoup, j'imagine, connaissent les King's Game. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez, vous, de King's Game. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà. Et ensuite, pour finir, je me suis lu les deux premiers tomes de Sensu de Daisuke Imai aux éditions Casterman. C'est une série qui est finie en 5 tomes et c'est de genre romance tranche de vie. Donc dans cette série, nous allons suivre le personnage de Yoko qui est totalement invisible à la société, puisqu'en fait il s'agit d'une sensu. Donc en gros, les sensu, c'est des personnages qui sont invisibles aux yeux des humains. Donc voilà, ils vont chez vous, et ils se nourrissent chez vous, ils s'habillent chez vous, ils font tout chez vous. Quand vous n'êtes pas là, et vous, bah, vous ne voyez rien, mis à part que des choses disparaissent, mais vous ne savez pas pourquoi. Et donc voilà, et donc cette jeune Yoko, ce qu'elle ignore, c'est qu'elle se croit la seule dans ce cas-là, et en fait pas du tout. Elle n'est pas la seule, puisqu'elle va rencontrer, je ne sais pas si c'est marqué, elle va rencontrer ce jeune homme que vous voyez sur la couverture, dont j'ai totalement oublié le prénom. Voilà, elle va rencontrer le jeune homme qui est sur la couverture du tome 2 et lui, il va lui dire que bah non, elle n'est pas toute seule, il y a d'autres sensus, que c'est vraiment très violent entre eux. Donc voilà, il y a des guerres, de disputes de territoire, d'appartements, de plein de choses. Et donc voilà, c'est assez violent. Donc voilà, on le sait d'ailleurs dès le tome 1, c'est assez violent. Voilà, il y a des morts,
des choses comme ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment très prenant. On s'attache très vite à notre jeune Yoko qui se croit seule au monde et pourtant pas tant que ça. Donc voilà, elle va rencontrer ce jeune homme qui est d'ailleurs son ancien camarade de classe également. Et donc voilà, va y avoir quelques disputes entre eux puisqu'au tout début, avant de se reconnaître vraiment, eh ben, ils vont pas mal se disputer, voilà, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc du coup voilà, ça donne des situations un petit peu drôles dans ce truc assez sérieux. Donc voilà, c'est une série Casterman que j'ai beaucoup aimée. Ça nous parle de sangsues, donc c'est des genres de fantômes. Moi je les vois un petit peu comme les fantômes, les sangsues, puisqu'ils ne sont pas visibles par la société. Donc voilà, après c'est très prenant, il y a beaucoup d'action, beaucoup de révélations, du retournement de situation, voilà, des fois on se dit tiens merde il va se passer ça et en fait il se passe totalement autre chose, donc c'est bien, c'est pas trop prévisible, c'est très bien amené, le scénario est en béton, voilà, j'ai hâte de me lire le tome 3 parce que Yuko est dans une mauvaise posture à la fin du tome 2, je vous en dis pas plus, mais c'est très prenant, donc voilà, je me suis lu les tomes 1 et 2 assez vite, les uns derrière les autres carrément, j'étais tellement à fond dedans en même temps, voilà, c'était très sympa à suivre. Donc voilà, je regrette absolument pas d'avoir attendu d'avoir tous les tomes pour me plonger dedans parce que j'avais lu aucun tome jusque là. Je ne regrette absolument pas mon choix, c'est vraiment une série dont j'ai hâte de me faire aussi tous les autres tomes. C'est vraiment la série de cette vidéo, mes premières impressions que je vous recommande le plus. Donc voilà, vous avez du suspense, vous avez quelquefois de la vengeance, voilà, certains personnages vont vouloir se venger de tel personnage parce qu'il y a eu telle circonstance. Donc voilà, c'est vraiment très très bien amené, vous avez des personnages différents que vous allez apprendre à connaître au fil des pages, voilà, vous allez comprendre leur passé, du pourquoi qu'ils font ça et tout, c'est vraiment un très très bon scénario que nous avons dans ce manga, ça ne tourne pas en rond, voilà, vous n'avez pas les sensus, vous les voyez dormir et tout, changer d'appart tout le temps, non, il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on s'accroche vraiment à nos deux personnages qui sont ici. Donc voilà, j'ai hâte de voir le tome 3 pour voir comment Yoko va s'en sortir, puisqu'au début elle était toute paisible, et à partir du milieu du tome 1, voilà, il va se passer plein de trucs pendant plusieurs jours, donc voilà, elle va découvrir plusieurs décès, elle va apprendre plus sur les sangsues, enfin voilà, elle va vivre vraiment 3 jours difficiles, et ce n'est pas prêt de s'arrêter là, puisqu'il lui attend encore plein de mésaventures, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, donc je vais vous montrer quand même les couvertures qui sont vraiment très sympas, voilà, elles ont toutes une couleur différente, donc voilà, c'est blanc avec une couleur, les personnages ont tous une couleur différente, les dos sont comme ceci, donc voilà, c'est vraiment très bien fait, et donc voilà, petit coup de cœur, donc voilà, je dois l'admettre, c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée, et c'est une série que du coup je retiendrai plus que les 3 autres, je pense, durant les années à venir. Et donc du coup je vais vous montrer les dessins, encore quelques planches de dessins parce que les dessins sont vraiment magnifiques, moi j'adore. J'aime beaucoup le style de dessin de l'auteur. C'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de lire et ça change pas mal. J'ai un oiseau à ma fenêtre, c'est cool. Donc du coup voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ma vidéo, mes premières impressions vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces 4 séries qui sont totalement différentes, à part les 2 shoujo. Bon, voilà. Et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!